Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Phoenix Point. Cette fois on va faire une bonne vidéo. On va pas faire de petits morceaux de coupure et tout ça. Donc on va faire une mission. Donc on arrive, je pense que ça va être à la recherche de l'oiseau de feu. Enfin en priorité ça va être ça de toute façon. Après il y a d'autres trucs, par exemple là sécuriser, le priodonte, des trucs comme ça. Donc on va voir si on peut... Si on peut pas faire ça dans la foulée. On a nos vaisseaux qui sont plus ou moins au même endroit. Je sais pas si je l'avais montré aussi la dernière fois. J'ai pris cette base. Je crois que je l'avais montré. Mais oui, j'ai pris la base de... C'est quoi? C'est de l'Antarctique, ça? Brume, relais, etc. Parce qu'ici, on n'a pas de point, en fait, de repère. On peut pas passer, vraiment. Enfin, quoi que si. Si je dis pas de bêtises, les Helios peuvent... Ah non, même pas. C'était quoi? C'était les manticores, du coup? Non, on peut pas du tout passer. On peut pas du tout passer. J'imagine qu'il faudrait faire petit à petit, genre prendre cette base, en fait. Et après, petit à petit, tac, 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 tac. Donc du coup, nous, on aura un appui en plein milieu. J'espère que la brume ne touchera pas, par contre, la base avant les 5 jours. Parce que sinon, je vais pleurer, quand même. Un peu con. Enfin, bref. On avance, on continue notre exploration. Donc comme j'ai dit, je viens de finir donc le combat PHB2. Ça s'est bien passé, c'était en élevé, j'avais un peu peur au début. Mais on avait beaucoup de gens en fait, on avait 12 personnes en tout. Et on avait un scarab, j'avais oublié que j'avais laissé un scarab ici. Donc du coup j'ai pu bloquer la porte avec le scarab, pas vraiment de problème en fait. Ah donc ouais. Donc on a nos Helios... qui sont proches, les Helios qui sont proches, donc on va les faire venir à Phoenix Point, histoire de se reposer un peu, et après, qu'est-ce qu'on va faire après? Après, je pense qu'on va envoyer les Helios. J'avais envie de reprendre un peu des véhicules, mais des véhicules, en fait, bon, il y en a un qu'on a laissé, genre le Priodonte, on l'a laissé à entrepôt. Est-ce qu'on peut voir? On peut pas cliquer directement, non. L'entrepôt, c'est celui qui est loin. Donc ça va, c'est pas grave. On a 2 tanières à faire ici. Ouais, 2 tanières à faire. Après, on en a un autre. Donc le Scar PHB... Oui, il a pris cher pendant le combat. Commémorative, ça c'est pas loin non plus que d'où on est. Alors, commémorative. Faudrait un raccourci quand on regarde les véhicules. Donc c'est là, c'est la deuxième en fait qu'on a. Donc c'est bien, on peut prendre le véhicule. Parce que j'ai pensé à faire ça. Et honnêtement, pour sécuriser les véhicules, le mieux c'est d'y aller avec des véhicules. Ça fait con, hein, mais vu que c'est des missions qui sont faites pour des véhicules, du coup, il y a une... on va dire qu'il y a de la place pour passer. Donc du coup, prendre le véhicule, sécuriser, ça va super vite, je trouve. La dernière fois, on avait fait ça la dernière fois. Non, je crois qu'on était allé avec des humains. Enfin, avec un groupe à pied. Mais ouais, on pourrait faire ça. Je vais voir, je vais vérifier. Mais on a aussi la recherche. Enfin, ça, c'est la recherche d'oiseaux de feu. Et j'étais en train de me dire, est-ce qu'on prendrait pas des véhicules tout le temps dans les vaisseaux? Et... Le problème, c'est que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que, imaginons qu'on est... Alors, les Helios, on va dire qu'ils travaillent en paire. Faut être honnête, ils travaillent en paire. Si on prend un véhicule avec... Enfin, véhicule, par exemple, pour un Manticore, on prend véhicule et personnage, ça ferait 3 et 3. Donc, 3 pris par le véhicule. Et après, il reste que 3 places. Donc, c'est 3 personnes, 3 humains. C'est pas beaucoup, en fait, 3 humains. Avec un véhicule. À ce stade du jeu, je parle, hein, parce que les monstres, enfin les pandoriens sont quand même très très vénères et tout ça. Et le problème avec le véhicule, c'est qu'il va s'abîmer. Et du coup, il va falloir revenir, par exemple, à Phoenix Point ou que ce soit, pour aller récupérer des gens. Pour aller les reprendre. Donc ça, c'est un peu le... C'est un peu la chose bête. Un truc qu'ils auraient dû faire, honnêtement, et je pense que ça aurait vraiment aidé... Parce qu'on est d'accord qu'au final, les véhicules, il y en a peu qui sont bien. Genre les véhicules volants, je parle, les vaisseaux. Genre, Manticore et Helios, ça reste quand même le top. Le Tiamat, il est inutilisable. Il est vraiment inutilisable.
L'oiseau de foudre, c'est un Tiamat qui va un tout petit peu plus vite, avec une capacité en moins. C'est du pareil au même. Donc ces deux-là restent le top du top. Mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est un vaisseau qui transporte plusieurs véhicules. Et à la limite, qui transporte que ça. Genre, il peut transporter par exemple deux véhicules. Pourquoi ça serait vachement bien? Parce que du coup, on pourrait faire des allers-retours avec différents vaisseaux qui vont déposer ou alors aider des gens avec des véhicules. Ça serait vraiment, vraiment bien. Donc, ouais. En tout cas, je pense que je vais faire un nouveau Helios dans pas très longtemps, quand j'aurai assez, pour cette solution en fait. Mais bon, ça sera qu'un véhicule à la fois. Mais pendant dans des missions où j'ai besoin d'un véhicule, bah je ferai ça. Voilà. Je pense que ça va aider. Parce que là, je transporte que des hommes et tout ça. Et c'est vrai que ça me manque un peu les véhicules. C'est quand même fun à jouer. Et quand on aura développé la Spida aussi, je voudrais vraiment commencer à paralyser les grosses bestioles. Donc ouais. On est en train de. J'ai tout enlevé au final. Donc je suis en train de refaire des grenades et des. Je veux un Raven parce que j'en ai pas. Ah, quoique non, non, j'en ai fini un, pardon, j'en ai fini un, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Ou pas. J'ai cru en avoir fait un. Non, bah non, 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 c'est le premier. Non, j'y arrive toujours pas. Enfin, j'y arrive toujours pas. À chaque fois, il y a tellement de trucs à faire sur la carte que le temps, il avance quasiment pas. Mais ouais, il me faut des grenades parce que j'en ai balancé quelques-unes pendant la défense de la base. Ça m'a encore une fois bien aidé. À chaque fois, j'ai peur de pas en avoir assez, quoi. Tellement que c'est puissant, en fait, ces grenades. Surtout pour les défenses de base. Ou. Ouais, 1 heure. Les défenses de base où les ennemis sont dans des couloirs. Et on n'est pas vraiment avec la meilleure équipe. Parce que la meilleure équipe est toujours bah, partie. Hein. La meilleure équipe, elle va faire les missions et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais il faut vraiment que j'arrive à faire un sniper. Putain, je l'ai perdu. Ah là là. Cyclope. Ouais. Non. Le Raven. Ouais, ça devrait être bon. On verra. Et après, il me faudrait des armures, comme j'avais dit, mais... Ça prend tellement de. Je voudrais. Honnêtement, je voudrais un Helios supplémentaire. Rien que pour le coût des véhicules. Parce que de faire des allers-retours, ça m'embête. Et ça me fait perdre aussi de la capacité en homme. Et ça m'embête ça. Donc, juste pour un véhicule. Donc, on va pas faire autre chose après. Les armures, je me débrouille de toute façon. Bref, dans tous les cas. Donc, les manticores. Je vais les renvoyer là. Pour l'instant, ça se passe bien. Il n'y a pas d'attaque. Toi, tu es là. Et Helios 1. Je voulais que tu ailles récupérer un peu de ressources. Échange pour ça. 8 pour 2. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, non? C'est difficile d'avoir de la technologie, ça m'embête un peu. Ouais, là j'avais tout pris. 9 pour 2 avec la nourriture. Neuf, 2. 10, 2. Ouais, non, au final c'est le meilleur, je crois. Ouais, et ce qu'il nous faudrait aussi, c'est qu'on augmente dans les engins du chaos, là, dans les missions, comme je disais, là, faire ça, pour tout simplement débloquer des meilleurs véhicules et tout. Enfin non, des améliorations pour véhicules. Surtout, c'est ça en fait qui me manque. Là, on peut faire un Helios, hein. Là, on peut le faire. Okay. On va attendre un peu, voir si on peut pas récupérer un peu plus de technologie, que je sois pas à la bourre. Mais ouais, je le vois bien. Alors, rapport sur la situation pandorienne. Donc ça, oui, ça c'est parce qu'on n'a pas détruit les refuges. Dans les bases, enfin, les bases pandoriennes, plutôt.
Ça, c'est des améliorations. Ouais, maintenant ils ont les snipers de précision perforant. Donc on pourra potentiellement en récupérer sur eux, ça c'est bien. Scylla Tétrarche. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des projectiles qui génèrent de la brume, une gelée toxique dans un cône étroit, puissant canon à plusieurs coups. Mon Dieu. Créer de multiples petites créatures lors de sa mort. Waouh. J'ai jamais vu ça. Abaddon, plus grande espèce de Pandorien, ailée, découverte à ce jour, indique une force et une intelligence supérieure. D'accord. Eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben. La citadelle Pandorien a été découverte et révélée. Ok. Une citadelle. Oh, ça s'est transformé en citadelle. Ok, ça s'est retransformé en citadelle. Donc il y a une Scylla dedans, ça veut dire. En gros, ça veut dire ça. D'accord. Bon, on fera un groupe pour y aller. On va y aller. Je voudrais peut-être y aller en véhicule. Je sais pas. Alors, ça, dans 4 jours, tanière pandorienne. Ouais, là, par contre, ça commence à être un peu chaud, les moins, là. Ça va encore. Ça va encore, étrangement. Par contre, celle-là, il va falloir... Ouais, ça fait beaucoup en moins, en fait. Il faudrait avoir cette base, aussi. Bref, pas grave. Alors, qui c'est qui est arrivé? Nous avons l'Hélios 2. Manticore est là, Hélios 2, Manticore est là, Hélios 1. Ok. Tout le monde est là. Je vais attendre que les Manticores arrivent, je pense. Je crois. Et puis après, on va faire l'Hélios. Puis après, si j'ai pas assez de trucs, je verrai. Comme ça, il se repose un peu. On a eu le Raven. Nouveau site de ressources découvert. Les améliorations apportées à l'analyse atmosphérique ont relevé des sites infestés qui pourraient rapporter plus de ressources que tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle. Des sites infestés qui pourraient rapporter plus de ressources. Vérifiez s'il y a de nouveaux sites inexplorés sur l'écran du Geoscape. C'est cool, hein? This mutag research the disciples are engaging in is deeply troubling. Fooling around with mutation is dangerous enough to begin with. But to not even have a proper way of controlling the creature you've created. De quoi il parle? How long before one of these creatures goes berserk? How long before there are unexpected consequences to their genetic composition? How long before a few of them get free and start breeding? Is the Exalted trying to fight the Pandorans or strengthen them? Je sais pas de quoi il parle. Apparemment, les disciples d'Anu ont commencé une recherche pour créer des monstres, j'imagine. C'est vrai que pour le moment, en fait, il y a Cinédrion, pardon, qui ont les repousseurs de brume. Il y a... comment ça s'appelle? Jericho qui ont ça. Et... Anu, pour le moment, a rien. Bah, ils ont les mutations, mais ça, c'est pour les soldats, donc du coup, c'est pas vraiment. Ah non, ils ont rien en bâtiment, en fait, de spécial pour le moment. Ah, une production alimentaire. Ouais, non, même pas, en fait, je sais pas. C'est eux qui font la production alimentaire? Genre avec le truc qu'on n'a pas encore recherché. Ça, ah oui, ils ont les fongicles. Ouais. Ouais, il faudrait peut-être le faire à un moment. Après, est-ce que si c'est rentable, ce serait intéressant, mais bon, j'ai peur que ce soit pas très rentable. En fait. Technologie laser avancée, mutation avancée. Ouais, on a quand même beaucoup de choses encore à faire. Hein. Putain. Bon.
Ok, tout le monde est là. 29 personnes. Alors. Très bien. Toi, t'as bougé. Ok, très bien. Donc nous avons nos gens. Donc à Phoenix Point, il n'y a pas de véhicule. Si, il y a un véhicule, il y a un scarab. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est deux missions qu'on avance un peu. Je pense que je vais faire comme ça. On va envoyer les Zélios. Il y a un Hélios qui est pas plein. Okay. Et on va envoyer des Hélios là, les deux Hélios là, et les deux Manticores là. Parce que les Manticores, en fait, ils restent dans le périmètre. Et les Hélios, ils prennent les meilleures personnes disponibles, en fait. Alors, est-ce qu'on a des niveaux 7? Oui. On n'a qu'un seul. Les Manticores sont pleins. Sont presque pleins. On va prendre le... Ouais, Garcia, il est pas mal. Toi, tu vas passer dans l'Hélios. Manticore 2, toi, tu vas passer dans Manticore 1. Donc, on est à 4. Il me faut encore une place. Parce que je veux prendre le véhicule en fait. Vous voyez ce que je veux faire? C'est un peu un mix. Ça, honnêtement, l'interface est pourrie. J'ai limite envie de dire que l'interface est limite pourrie. Il est très simpliste et il est pas pratique en fait. Genre moi je mets-moi pas une liste qui défile quand il y a parce que quand il y a énormément de gens c'est la merde. Mais moi je sais pas des trucs en carré où genre là j'ai un vaisseau, là j'ai un autre vaisseau, là j'ai un autre vaisseau. Après j'ai les bases. Enfin voilà, genre me montre même pas ce qu'il y a dans les autres bases, je m'en fous en fait. Genre mets-moi genre un onglet que je peux réduire, parce que là je suis pas dans la base, je m'en fous des autres bases. Je veux juste voir les vaisseaux dans la base du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de trucs à modifier honnêtement, pour point de vue ça. Alors je vais regarder dans les Helios, qu'est-ce que j'ai comme... Les Helios, on va faire 5 et 5. Donc les Helios, on a un... Alors, on a Alexander, le bourrin. Alexander, donc on a un assaut. Aussi, mets-moi un résumé de quelle classe j'ai dans chaque vaisseau. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ça. Qu'est-ce que j'aimerais ça. Un résumé dans chaque vaisseau. On a deux snipers. Un mécano. Après Helios 1, on a quoi? On a ça. Helios 1, on a trop de lourds. On a trop de lourds. Je vais voir si tu vas pas là-dedans. On a combien de snipers dans Helios? Dans les deux Helios, je crois qu'on en a que deux. À la limite, on peut prendre un troisième. Ils sont pas vraiment volonté 13, volonté 15. Toi le mécano, tu vas aller dans le manticore, comme ça les manticores ils auront aussi un mécano. Oh, ça veut dire qu'il faut que je fasse encore des bras et tout. Oh là là, ça va être fun. Ok, on a deux. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Et aussi, laisse-moi les placer comme je veux dans la liste. Merde. Il y a lui. Je pense que lui, je vais le prendre avec moi. Il y a ça qui m'intéresse. Il fait 100 points de dégâts à toutes les unités dans un rayon de 10 cases. Ça peut être intéressant, je pense. Je sais pas. Ouais, mais il a besoin de ça, en fait. Je pense que lui, peut-être, il va passer dans les Hélios.
pour qu'on puisse l'augmenter un peu et voir un peu ce qu'on peut en faire, je dirais. Ouais, je pense que les Hélios sont bons. On a donc un lourd, assaut, berserker, sniper, prêtre. Même si le prêtre est pas top top, mais voilà. On aura 10 personnes en fait. Et à chaque fois, on devra choisir 8 personnes sur les 10. Donc on en a une, deux qu'on peut faire tourner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ça, c'est pratique, honnêtement. C'est pour ça que j'aime bien les Hélios, parce que ça fait 10 et 10. Ça fait 5 et 5, du coup. C'est vraiment pratique, ça. Là, on a quoi? Donc, on a Asso, Rosa, Vincenzo qui devient cool, Kerstin. Et après, c'est ouais, c'est des gros snipers. Enfin, toi, t'es Aileen, c'est pas vraiment la grosse sniper, mais. Ouais, on verra après. Ok, très bien. Maintenant, dans les Manticore, donc assaut, assaut, assaut. À la limite, je devrais les mettre dans l'ordre, en fait. Ouais, je devrais les placer dans l'ordre. Je le ferai un jour ou l'autre. Bon, attendez 2 secondes. Je vais faire une petite pause. Je reviens. Je vais essayer de les placer dans l'ordre, voir si c'est possible. Ok, on est de retour. Ça m'a pris pas mal de temps. J'étais en train de penser aussi, il faut qu'on commence à faire des multiclasses. Parce qu'il n'y a que elle. Pour le moment, il n'y a que Rosa. Et j'avoue que ça pourrait nous aider. Parce que j'utilise toujours les points pour. Après, bon, débrouille, hein, ça se passe. Hein, mais c'est vrai qu'on pourrait faire des trucs un peu OP. Genre, elle. Elle, au final, je l'ai mis assaut. Il faudrait qu'on lui débloque ça, la liquidation rapide. Je l'ai mis assaut parce qu'elle prend. Elle porte beaucoup de bordel à chaque fois. Genre lance-grenade, ça marche bien avec elle, avec ça, parce qu'elle peut tirer gratuitement en fait, avec Badaboom, elle recharge gratuitement aussi. Puis elle a les deux de feu. Mais on pourrait faire des mastodons berserkers, parce que les berserkers, c'est vrai que je les ai mis un peu de côté, mais c'est vrai que j'ai pensé à ça. Genre esquive rapprochée, moins 25% de dégâts en plus. On a l'anti-blindage qui peut être intéressant. On a ignore la douleur aussi, et poussée d'adrénaline, genre toutes les habilités. Un point et c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Lui, je me demande même si on pourrait peut-être pas le passer en classe supplémentaire, genre mastodon. Je sais pas, peut-être faire un truc quoi. Mais il faut savoir toutes les mutations et tout ça. Enfin bref, j'ai mis les gens dans l'ordre. Donc pour les Hélios, on a Rosa, sera la chef de l'Hélios 1. Avec donc notre Berserker, 3 assauts. Helios 2, on a Vincenzo en premier, parce qu'il est devenu important. Après, on a donc notre prêtre qu'on va prendre un peu. Même si on n'a pas l'équipement pour le moment, il faut qu'on fasse la recherche. Je ne sais pas où sont les prêtres. Classe de prêtre à nu. Ouais, ce sera. Hein, à prendre du temps, mais bon, comme ça. Donc ouais, technicien, c'est ça, technicien. Technicien, oui. Technicien, prêtre, 3 snipers. Voilà, donc ça sera nos 10 personnes pour les Helios, parce que les Helios se séparent jamais en fait, parce que jouer à 5 personnes, honnêtement, c'est dangereux. Donc c'est bien. Pour les Manticore, et en plus ils sont tous niveau 7. Hein. Pour les Manticore, donc on a un Mastodon, après un Technicien qui est aussi niveau 7. Berserker, 3 assauts. Et pour Manticore 2, on a 2 snipers et un Mastodon aussi. Ce qui nous reste à Phoenix Point, c'est un assaut 7. Mais bon, on a déjà 3 assauts dans chaque équipe. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Et pour le moment, c'est tout. On va avoir un sniper qui va être fini. Un assaut. Enfin voilà, quoi, c'est pas mal. Faudra recruter encore plus de gens. Mais ouais, je pense que c'est pas mal, là. Et bien sûr, j'ai mis le scarab, parce que je veux les envoyer faire la mission du véhicule. Ouais. Et après, quand on aura donc le nouveau Helios, je veux l'utiliser pour aller délivrer en fait des gens en plus,
si on a besoin des types de gens en plus. Et surtout, c'est les véhicules, en fait. Parce que là, je voudrais bien récupérer les priodontes. Mais c'est ça le nom. J'ai un doute maintenant. Oui, priodontes. J'aimerais bien aller les chercher. Mais genre, il y en a un là. Et après, l'autre, il est à l'autre bout de la planète. Donc du coup, on veut descendre. Les manticores, ils vont prendre 3 ans. Ça va prendre. À chaque fois, on perd des heures en fait à chaque fois à faire ça. Donc ouais, avoir un véhicule encore en plus supplémentaire, rien que pour des pour. Enfin non, un vaisseau pour les véhicules, ça pourrait aider. Enfin un vaisseau supplémentaire en général, ça peut aider. Et voilà, tout simplement. Et je voudrais bien même faire un vaisseau avec ouais un truc d'accélération là pour qu'il aille encore plus vite. Je sais plus qui c'est qui fait ça. Je sais même plus si on l'a recherché. On l'a peut-être pas recherché encore. Mais genre, on peut accélérer la vitesse. Ça peut être bien. Ça peut être bien. De mettre ça sur un des Helios. Enfin, le nouveau Helios qu'on fera. En tout cas, c'est parti, Helios 1. Donc ça, c'est à la recherche de l'oiseau de feu. Inspecter la dernière position connue de l'individu ayant tenté de récupérer les dossiers de l'initiative oiseau de feu. Donc on va faire ça. Helios 2. Ça. Manticore 1. Il y a. Les manticores, elles peuvent peut-être encore attendre. Histoire que les gens se soignent. Après, Helios 1 et Helios 2, ils peuvent partir. Ils ont quelques petites blessures. Ah! Alors, technologie de laser avancée. Gorgonize, arme laser phénix. Ok, cool. Déployer la tourelle. Des tourelles laser, ça c'est bien. C'est quoi ça? C'est une arme? Une arme dans le dos? Chargeur pour les lasers tourelles. Faisceau laser phénix, Destiny 3. Portée effective, 999. D'accord, ok. Ça marche. Et on a d'autres recherches. Éclair HC9, c'est quoi ça? Une arme électro-laser puissante créée par les experts de la nouvelle Jericho et basée sur la technologie de Synhedrion. Waouh! Okay. Donc, il y a lui qui est revenu. Bon, ça va, cette fois, il n'est pas trop loin. Il n'est pas extrêmement loin, donc on va pouvoir les bloquer avec. Bon, on va faire notre quête, je gérerai ça après. Manticore 2 est totalement soigné. Manticore 1, bien quasiment aussi, on peut y aller. Bon, bah du coup, la mission, je pense qu'on la fera nous, avec les Helios. Nous, on va... Ouais, on va voir. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Pandora et les... Ok, ça marche. On va envoyer les manticores. Par contre, les manticores, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met les systèmes pour esquiver les attaques ou pas? Honnêtement, je dirais qu'on n'en a pas vraiment besoin. Enfin bref, on va aller combattre. Ah là 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 là. Ah, c'est... On n'a jamais de répit en fait, hein, c'est ouf hein, quand même. Incroyable, hein, incroyable. Voilà, les deux manticores seront là. Nous, on va faire ça, on va se concentrer sur ça. Nos agents ont pour objectif d'enquêter sur ce qui est arrivé à l'individu ayant tenté de récupérer les données sur l'initiative Oiseau de Feu. Malheureusement, le campement où cet individu vivait semble avoir été détruit il y a un bon moment. Avec un peu de chance, nous serons peut-être à même de récupérer son journal ou son carnet de notes, quelque chose qui pourrait nous éclairer sur ce système. Ça marche. Alors, je vais refaire une pause et je vais équiper les gens, parce que ça aussi, ça va me prendre 3 plombes. Je reviens. Ok, on est de retour à notre équipe. Donc, on va prendre Rosa, Johnson. On va un peu tester les classes un peu spéciales, on va dire, que je teste, que j'utilise pas trop. On va prendre Adèle. Adèle, t'as pas une meilleure armure? Pas vraiment. On peut te donner ça, la lutte.
j'en suis pareil. Ouais. Reste comme ça, Dave. Ouais, il faut plus d'armure. On va prendre Alexander. Donc ils ont tous du anti-armure. Fin de la pénétration, on va prendre Vincenzo, Madeline aussi. On va la tester un peu. Et après, deux snipers. Et il y a Kerstin. Déjà, elle a ça en plus, donc ça c'est cool. Et Kerstin qui va utiliser donc le nouveau, le Raven SR-13, un fusil de précision perforant qui fait 130 de dégâts. Voilà. On va voir un peu ce que ça fait. C'est parti. Eh ben. Et après, il y a le Behemoth. Oh là là, le Behemoth, il tombe. Bon, après, il tombe au moment où, où je me suis un peu remis dans le bain et tout ça. Je suis plus à droite, à gauche. Donc bon, avec de la chance, ça va bien se passer. Bon, cette mission devrait pas être trop difficile, je pense. C'est un peu grand par contre. C'est quoi ça? C'est là qu'on doit aller? Trouver les fichiers. Ok, ça marche. Ça marche! C'est parti. Qui va y aller en premier? Ah, par contre, je suis peut-être en vitesse accélérée. Ouais. Normal. Désolé. Toi, il faudra... Ouais, toi, il y a ça, le cri psychique. Il faudra te changer pour... je crois que c'est frénésie. Mais je sais pas quand on récupère. Pushing on. Ok, tu montes juste là. Je crois qu'ils m'ont pas vu, hein. Ils sont pas alertés. Qu'est-ce qu'on fait? Pas mal le tir, pas mal. T'as 18. Je peux te... Contrôle mental. Ah, t'as 17. Fais chier. I'm here. On the move. That could have gone better. J'avoue. Ah, le laser, hein, c'est pas... Le laser, c'est pas quelque chose que j'adore. J'avoue que... Aiming. Très bien. Très bien, très bien. On va se mettre là. Keep my eyes open. Non. Un chiron.
T'es rapide pour fuir. Hein. Évidemment, évidemment. Oh là là, sans déconner. Il me faut la classe d'infiltrateur, là, infiltration. C'est maintenant les assauts, c'est pas trop ça quoi. Il fait quoi lui? Il fait quoi lui derrière? Je peux pas le contrôler mentalement lui. Je sais pas si ça, ça vaut le coup en fait. On a lui là. Oh là là, c'est un endroit de merde. Il y a lui qui est en Overwatch. What's our plan? Encore un endroit tout pourri. Here goes nothing. Ça, c'est les détecteurs de mouvement. Switching ammo. Eddie. Ça fait beaucoup de bordel. Ok, c'est pas mal. On a fait un peu le ménage. Ready. I'm more of them. Getting there. T'arrives quand même à la toucher, hein. Magnifique. Repositioning, I hope this works. Magnifique. Alors, on va voir ce que tu peux faire. Alors, soin de technicien. Providing medical assistance. C'est quoi? C'est deux restaure 10 points de vie et 10 points d'armure à toutes les parties du corps de la cible. Hold still, let me look at that. C'est marrant ce truc. Super fun.
Deploying tech. Si je me mets là. Très bien. Zooming in. Faut s'occuper de lui. Je sais pas vraiment comment en fait. Mais on va voir. Je vais pas encore tirer sur le gros. Là. Toi, t'as encore 4 points. Il est alerté. J'imagine qu'ils doivent beaucoup saigner, les autres là. C'est quoi, c'est le fléau ça? Non. J'ai l'impression que encore une fois, à cause de Rosa, ils savent pas trop quoi faire. Je vois pas pourquoi lui se met là. Franchement, je vois pas du tout pourquoi il se met là. C'est très bizarre. Contrôle mental. Oh, t'as combien toi? Oh, t'as 10 sur 16. Oh, c'est cool ça. Du coup, ce que j'ai pas trop compris en fait comment ça va. Alors, coup de 1 à 10 par tour pour maintenir le contrôle selon le type de cible. Coup PVO équivalent au PVO ennemi. Coûte 1 à 10. C'est ça, je sais pas combien ça coûte en fait. Est-ce que ça coûte par rapport à la cible ou alors par rapport à son moral? Alors plus la cible est grosse et plus ça coûte cher, ou alors plus son moral est élevé et plus ça coûte cher. Vous voyez ce que je veux dire? Ready. C'est trop bien de pouvoir avoir une vue comme ça sur... sur les toits. Ready for action. All I need is a clear shot. Ouais, bah, le clear shot, tu l'as pas. Hein. 160. 15 de dégâts, c'est pas mal. Overwatching. Pas mal.
C'est pas mal du tout. Là, t'as 10 sur 16. Parce qu'à la nuit, je voudrais bien tuer lui. Comme ça, en théorie, ça dure plus longtemps. Je sais pas si ça marche comme ça, encore une fois. Il me reste qui à jouer. Target down. Moving. Ready. What's our plan? Ben, je sais pas trop. Targeting. Ça me fait un peu chier encore de balancer des trucs comme ça. Let's try this. Ça, c'est triste, ça. Contrôle mental, c'est quoi? C'est un point d'action. Oh, putain. Voilà. Toi. Du coup, tu peux... Donc, deux grenades. J'ai écrit 2, donc j'imagine que ça coûte 2 en fait de le maintenir. T'as combien? Toi, t'as 6. Très bien. Ready to engage. Moving out. Ah, c'est marrant. Du coup, on va pas bouger. Ok. Ah, de mourir de dot, par contre, ça donne pas de points. Ça, c'est bête, ça. Pas mal. Voilà. Il y a plein de ces trucs là, il y en a partout. Non. C'est nul, c'est nul. Avec le machin, il arrive sur lui. Ou sur elle, peu importe.
toi tu fais pas très mal avec ton tes trucs en bio là. Wow. Dis-moi, c'était nul. Confirming target. C'était bien nul. En plus, j'ai un assaut qui a pas la capacité de récupérer des points. Là. Faut que je leur mette à tous les assauts. All I need is a clear shot. They got him. Ah bah il fait mal, hein, il fait mal ce truc. Il fait mal. Oh là là, ça me saoule. Here. Tu fais quoi là? T'esquives? Là il faut qu'on fasse ça, mais je sais pas comment. Oh la vache, quelle merde. Acquiring target. Ready to fire. Aiming. Identifying target. Quarante et vingt. Ouais, mais le feu, ça fait. Les feux s'impliquent à chaque partie du corps en début de tour, retirant des points d'armure. Tu vas mourir? Normalement, oui. Alors, du coup, est-ce que. Non, évidemment que non. Oh là là, qu'est-ce que ça me saoule. Je sais pas, parce que ça a l'air d'être un combat super simple, mais. C'est très très bof en fait, ça se passe pas super bien. Identifying target. Donc ça me gaffe plus qu'autre chose. Are we expecting anyone? Ah, mais il y a toi qui va nous sauver, c'est bon, je t'ai oublié. Ouais, des choses comme ça où les combats sont super simples. Et que il y a des petites conneries comme ça, ça me frustre, ça m'énerve. Ah, évidemment. Et on utilise trop de ressources aussi.
Not now, please. Je peux soigner ou pas? Un point d'action, un point de manquer ça. Votre état empêche, pourquoi? Ah, oh, j'ai plus le, la tête. J'ai plus la tête. Putain, je savais pas que ça, ça empêchait. Ah mais non, c'est parce que je contrôle toujours lui, sûrement. J'ai rien dit. Ah, très bien. Bouge pas. Je crois que c'est parce que... Voilà, libération. Récupère. Très bien. Right there. Ready to engage. Ça c'est quoi ça, normal? Acquiring target. Si je le fais à ça, ça fait quoi? Ready to fire. That was a kill. Autant faire ça. Providing Overwatch. Let's roll. C'est vrai qu'il faut toujours aller récupérer le truc. Hein, en fait. J'ai un peu oublié. On va y aller à plusieurs. Holding position. Il essaye de s'enfuir. What's our move? Aiming. Quoi, par où on passe? Ok, par là. Channel open. Est-ce qu'on peut le faire plus facilement? Parce qu'en plus là je peux plus faire de grenades pendant un moment. Car attends, qu'est-ce que tu pourrais soigner? Pourquoi t'as plus elle en... Parce qu'elle est pas... Ah oui, si, elle est full vie. Ah, elle est full vie, mais... elle est full vie sans le, la tête, quoi. «
Who's your next of kin? Hop. Here. Let's go. Là, on va passer le tour. Bon, c'était pas difficile, hein. C'était même plutôt facile. Mais ouais. Prise de tête des fois. Pour pas grand chose. Bon, l'équipe est sympa avec le prêtre et tout ça. Ouais, c'est pas mal. Le technicien surtout. J'aime beaucoup le technicien. J'aime beaucoup. Ah, limite, avoir deux techniciens serait ça. Bon, enfin, après, c'est bon pour la défense, hein. C'est pas vraiment bon pour l'attaque. Genre mettre des tourelles, attendre. How unexpected. The journal seems to suggest that the research was recovered by the Phoenix Project. I assume that you are unaware of this. Presumably due to the near collapse your organization suffered after the severe cutbacks of the early 21st century. Apparently the surviving research was stored at a Phoenix base designated Storage Facility 4. Not a terribly inventive naming scheme. To complicate matters, before the collapse, the local government sold Storage Facility 4 to Abaddon Tusk, one of the billionaires that resulted from the old political system's malfunctioning distribution of resources, who turned it into a shelter for his company. Eccentric and possibly sociopathic to begin with, he has been driven to new extremes, styling himself Pirate King and leading violent raids on defenseless havens. Ah. Nous nous occuperons de ce chef autoproclamé. Ah, merci. 98% chance of armed conflict resolution. Mm-hmm. Alors, ça marche. Voir un peu. Bon, après, je rouspète un peu pour. Les choses craftées, mais bon, ouais, ça, genre les grenades, bon, elles coûtent pas cher. Honnêtement, les grenades Vidar sont super top, hein, pour le truc 1-1, là, une grenade par grenade, là, c'est super bien. Même ça, on a quasiment pas beaucoup tiré. Il y a ça, c'est vachement bien au final. Hein. Parce que là, on a quasiment épuisé, je crois qu'on a dû faire 4 fois. Faut vraiment que j'en profite, que je soigne. Tant que je peux, je soigne avec le technicien, ça, c'est vraiment top. Et il faut que... Bon, dans un jour, ce sera bon. On va faire des grenades d'avance. Encore une fois. 4. Nickel. Ça va, les gens sont... Les gens sont bons. Ouais, faut que je soigne plus. Alors quand il y a des missions un peu faciles, je les sors et je soigne un peu plus. Bon bah c'est bon, on va arrêter là, ça sera notre mission. Donc du coup l'homme qui se trouve bien, seigneur des pirates. Ah, on pourra faire ça directement la prochaine fois du coup. Parce que c'est pas encore totalement fini. Intéressant. Et les manticores sont en route pour combattre le behemoth. Ouais, ça marche. Bon bah on fera ça la prochaine fois, continuera Synédrion, fais voir un peu la diplomatie. Ouais du coup Synédrion c'est pas fini encore. Ouais. On n'est pas passé au grade au-dessus en fait. On n'est pas aligné. Donc ça va sûrement venir après. Bon bah voilà, ça se passe bien. Ça se passe bien. On est en train de faire un autre vaisseau et tout, c'est cool. Fais voir un peu le tour des bases. Pas qu'elle se fasse toucher par la brume sans que je le sache. Bon, ça va être fixé. Toi, t'es bon. Phoenix, toi, t'es bon. Phoenix Delta. Phoenix Entrepôt 1. Toi, t'as reçu une attaque déjà, mais tu vas être protégé bientôt. Phoenix Bravo, normalement aussi. Mais Phoenix Bravo, j'ai peur qu'elle se fasse attaquer avant. Honnêtement. Logistique B, normalement, ça devrait être bon. Ouais, il y a Phoenix Bravo, j'ai un peu peur. Combien ?
3 jours. Ça va être short. Ça va être très short. En tout cas, ce sera tout pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.